Allez les amis, on est parti pour le Grand Prix. 50%. Here we are in Russia, in the scenic Black Sea resort of Sochi, where this purpose-built track is described as one of the most impressive tracks on the Formula One calendar. Welcome to the Russian Grand Prix. We knew this was a track that suited the Mercedes well, but no one would have expected that Lewis Hamilton would have created such a gap to his rivals in qualifying. If he stays out of trouble and the car continues to perform, well, victory should surely be a formality. He's definitely going to be difficult to beat today, but anything can happen, so we'll have to keep a close eye on how this unfolds over the course of the race. It's been a really disappointing season so far for Red Bull. They aren't getting the points that they believe the car is worthy of. Red Bull have clearly suffered the most from the change of regulations. The car is still a good car, but they say the performance of their new hybrid power unit is letting them down. You can guarantee they're working hard with Renault to find a way to bridge the gap to the competition. Ok les gars, alors on est parti. Bon bah Cyril, au niveau de la stratégie, qu'est-ce que t'annonces? Merci Speedgeek. Alors excellent Angel, un tour propre malgré la gêne de Ricardo, et pour la course on fera deux pit stops comme d'habitude. Sois prudent au départ et pour la stratégie je m'en occupe, je te tiens au courant, bonne chance et bon GP. Ben écoutez les gars, bon GP à tous. Je pourrais pas lire les commentaires qui vont circuler sur le chat. Alors effectivement il va y avoir beaucoup plus de commentaires qui vont s'afficher sur YouTube que sur Twitch. Néanmoins je compte sur vous pour répondre à ma place pour ceux qui me connaissent, mais je n'hésiterai pas à lire vos commentaires et à vous répondre en fin de course, ou n'hésitez pas à garder vos questions de côté pour me les reposer à la fin de la course. On est parti pour du 50%, donc il y en a pour une petite heure on va dire, même pas. Donc bon, je vous souhaite un bon GP à tous et c'est parti. Top 2 finish is what we're predicting for today's race. Je me suis endormi sur le frein, quoi. Quel imbécile. Ah, je me suis fait avoir comme un crétin.
race officials have enabled DRS. DRS is now available. Ah, la touchette de merde. Et Bottas qui revient derrière, qui est déchaîné. Il y a un drapeau jaune, mais je sais pas où. J'arrive à creuser l'écart pour être à l'abri du DRS, mais derrière, ça revient vite. Hein. Et ça tape derrière.
losing 3 seconds a lap to Rosberg. 3 seconds. Raikkonen slightly faster than you. He's catching you by around 3/10 a lap. The car behind is running on 4 revs. Mix 3. He's going to attack. On s'arrête quand, Cyril? To P5.
Leclerc's just taken first place. Ah putain. Green flag, we're racing again. C'est la merde de lire ce putain de chat en même temps que tu conduis, il fait chier. Il m'a fait quoi Vettel là? Ah c'est vraiment la merde hein, de lire ce putain de chat. Hein. Je me suis fait avoir connement sur un freinage, là j'ai perdu deux places. Pokémon Go, qui c'est qui joue au Pokémon Go? Moi? Non, je... T'inquiète Angel, pas besoin de regarder les commentaires. Bah si, je regarde les commentaires parce que j'ai besoin de voir les commentaires de Cyril qui me donne les indications pour les arrêts au stand. C'est pour ça les amis, je suis obligé de regarder les commentaires. Qu'est-ce qui va me faire chier, Bedon?
Hamilton has the lead. Je fais le job, Cyril. Je suis bourré de virage.
Ok Cyril, j'essaie de me calmer un petit peu. Ok Cyril. J'ai eu un souci de pédale de frein, c'est pour ça que je me suis foiré, je précise. Blue flag, YOLO. Has just made a pass for the lead.
drawing assist coming in. About a lap's worth of spare fuel in the car. You won't be able to run in mix 3 for long with that much, but do burn it if you need to. Mercedes crew are preparing for a stop. Not sure which driver it is yet. There are 15 kilos of fuel remaining. Pas trop tard pour le mélange d'essence, j'ai oublié.
point. We expect these tyres to be good for a while yet. Just be careful with them in the high-speed corners. So far. We burned off 3/4 of our initial fuel load. There's 25% remaining. Faster than the car ahead through sector one.
Any update on the car for you? Tires are looking very nice. Shouldn't have to worry about the wear too much right now. Okay, at this rate, we'll finish with a little extra fuel, so you have some in hand to run a faster engine mode for a bit. Watch out for the car behind. He's only 2 seconds down on you. He might try and overtake if you make a mistake. He's losing a full second a lap to you. Ricardo is losing a second a lap to you. Siri, je vais essayer d'aller chercher Valtteri, mais je fais ce que je peux. Losing a full second a lap to you.
2 seconds a lap faster than him. Okay, we're running pretty light at this point. There's just 5% of our initial fuel remaining. Ça a été le dépassement du dernier moment, ça. Ah, ça fait plaisir. Et ben, 5e place sur la grille, 5e place à l'arrivée. Hein. Merci F1 SimuGeek. Franchement, ça fait plaisir. After all that excitement, it's time for a lie down, I think. Thanks for joining us and goodbye until the next race. Merci SpeedGeek. Alors, le classement à l'arrivée. On a donc Lewis Hamilton qui a gagné la course devant son coéquipier. Ensuite, on retrouve les deux Ferrari dans l'ordre, Vettel, Raikkonen. En fait, la grille de départ, hein, finalement, sur les 7... c'est marrant, ça. Il n'y a aucune voiture qui a bougé sur les 9 premières voitures par rapport à la grille de départ. Donc, Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Grosjean, Bottas, Ricciardo, Massa, Kvyat. Ensuite, on a Hülkenberg qui partait de 12e, qui finit 10e. Max Verstappen qui finit donc à la 11e place. Sainz aussi qui est remonté de la 16e à la 12e place. Ericsson qui finit 13e. Derrière lui, Jenson Button aussi qui a gagné 3 places. Alonso qui en a gagné 3 aussi. Pérez, lui, par contre, qui partait 10e et qui finit 16e. Grosse dégringolade pour le pilote mexicain. Stevens et Mary, 17 et 18, qui partait 19 et 20. Felipe Nasr, qui partait 14e et qui finit 19e. Maldonado, qui a abandonné. Et donc, voilà pour l'arrivée. Au revoir, Angel. C'était une belle remontée. Je te félicite. Un bon résultat avec une bonne stratégie, comme d'hab. Bah, merci à toi, surtout hein, pour la stratégie. C'était cool. Et Angel, on regarde la route quand on conduit, pas le téléphone. Mais Smile Kill, je regardais pas le téléphone. C'est que j'ai le chat qui est en rediff. Enfin, j'ai une fenêtre avec le chat sur la gauche de l'écran, sur mon écran de gauche en fait. Et du coup, c'est là où je peux lire les consignes de Cyril, dans la mesure où pour l'instant on est toujours coincé avec cette histoire de TeamSpeak. Mais franchement, le stratège Cyril a encore frappé et on a du coup réussi à faire cette 5e place avec des points à l'arrivée. Ça, c'est vraiment cool. Merci à toi, Cyril. Alors, ce qui nous donne au classement du championnat du monde des pilotes, Lewis Hamilton toujours devant son coéquipier avec 49 points d'écart, Sébastien Vettel 3e, suivi par son coéquipier également. Ensuite, on a Valtteri Bottas qui est 5e, Daniel Ricciardo 6e, Felipe Massa 7e. Je prends une place puisque je monte à la 8e place et je fais descendre Daniel Kvyat du coup au 9e rang. Et ensuite, on retrouve Sergio Perez, Jenson Button, Max Verstappen, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Pastor Maldonado, Marcus Ericsson, Felipe Nasr, Roberto Meri et Will Stevens. Alors, au classement
Des constructeurs, Mercedes est toujours devant Ferrari avec 6 à 166 points d'écart. Je vois pas comment la tendance pourrait s'inverser. On retrouve troisième les Williams qui ont marqué pas beaucoup de points cette fois-ci sur cette course, malheureusement. Enfin, c'est vrai que c'est pas ma cinquième place qui va faire la face du monde, hein, puisque je mets qu'une voiture dans les points. Donc, on a Red Bull quatrième, donc Lotus toujours cinquième. Derrière, on retrouve Force India, McLaren, Toro Rosso, Sauber et Manor. Donc voilà pour le classement. Les objectifs ne sont pas atteints, mais personnellement, j'estime avoir fait une bonne course et j'en suis très satisfait. Encore heureux qu'on ait repassé en super tente, sinon on n'aurait pas pu passer Ricardo et les Williams pour le dernier relais. Alors prochaine étape, Angel, le Texas à Austin, tu le sens comment? Bah, si la voiture elle est bien équilibrée, il n'y a pas de souci, Austin, ça devrait être du gâteau. Mais c'est vrai, comme le dit Maxence, par contre ça va être un vrai casse-tête les stratégies sur F1 2016, et ça, ouais, à mon avis, ça va pas être évident. Surtout de ce que j'ai vu, quand on a les essais, on a des points à mettre dans le entre guillemets R&D pour optimiser la voiture, donc ça va être vraiment chaud à mon avis. Voilà cette course qui se termine. Et ben écoutez les gars, j'ai envie de dire, on a passé un bon moment ensemble, c'était plutôt cool. Donc on voit le départ ici, hein, j'avais réussi à prendre l'ascendant sur les deux Ferrari. J'étais même en train de revenir un petit peu sur les Mercedes qui étaient en train de se tirer la bourre au premier freinage. Puis bon, Hamilton qui a fermé un peu la porte proprement à son coéquipier, et Rosberg a dû lever le pied. Et du coup, j'ai levé le pied aussi et ça a permis à Vettel de repasser. Et puis derrière, après, j'étais directement sous la menace de Raikkonen. Ah bah Cyril, je te fais confiance, hein, pour F1 2016, je sais que tu seras là aussi pour nous soutenir, parce que je sais qu'il y a moi, mais il y a aussi d'autres youtubeurs, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure, des Pielous entre autres. Et donc là c'est là, hein, avec la pression des voitures derrière, hein, que je me suis un petit peu fait décrocher par le groupe de tête. Et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur des œufs quand on a les pilotes IA de F1 2015 dans le derrière, donc on sait un petit peu jamais ce qui peut se passer, on sait qu'ils sont très agressifs et qu'ils ont tendance à vite nous embarquer. F1 SimuGeeks, ton volant, on dirait que un volant de bus avec ta cam. Ouais, je sais, ouais, il faut que je remette le volant F1 en fait. Parce que là, comme j'avais des problèmes de volant et que c'était un problème de driver en fait à cause d'une mise à jour Windows, j'ai remis la galette d'origine, il faut que je remette le volant F1. Ça sera un sacré défi, ouais. On va déjà finir cette saison, c'est clair. Ah, si vous voulez, je vous fais voir un petit peu l'envers du décor. Et donc quand je pilote, donc là j'ai mon volant, hein, et donc j'ai mon écran principal avec la course ici, et puis là sur la gauche j'ai donc le chat, hein, qui me permet de lire ce qui se passe, donc les aides de mon ami Cyril, les aides précieuses, hein, puis donc là ici j'ai le contrôle du direct, hein, pour voir si tout se passe bien sur les lives, et là le OBS, hein, qui enregistre. Et donc là mon volant. Et donc il va falloir que je remette le volant de F1 à la place de la galette d'origine du G27. Donc je le sens comment 100% sur Austin. Bah écoute, ouais, je pense que ça se joue. Hein. Ça devrait le faire. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis bonne fin de soirée. On va arrêter là pour ce soir le live. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le live, à toutes les personnes présentes ce soir et qui sont restées pendant plus de 2h, 2h30 de live à regarder.
regarder cette soirée F1 et puis ce petit débrief à chaud suite au Grand Prix de cet après-midi. Et puis, donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le Grand Prix d'Austin. Alors comme je disais Maxence en début de live, comme moi je pars en vacances demain jusqu'à vendredi, enfin entre jeudi et vendredi, la rediffusion du live ne sera pas avant le week-end prochain vraisemblablement, parce que je vais pas lancer le montage de la vidéo pendant la nuit, et même l'upload du coup ça sera jamais prêt pour que je puisse vous fournir la vidéo dans les temps, donc pas de montage prévu là juste après le tournage, puisque je vais aller faire dodo, hein, demain je prends la route. Et donc, la rediffusion des qualifs et de la course, ça sera en fin de semaine vraisemblablement pour le week-end prochain. Donc désolé pour ce contretemps, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci à tous, encore une fois, merci à toi Cyril. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si ça vous a plu ou si c'est pas encore fait. À partager sur vos réseaux sociaux, sur des roues qui se promènent sur la route là, c'était assez rigolo ça. Et sur Twitter et Facebook, n'oubliez pas, cette semaine donc Cédric va vous proposer du contenu. Alors je sais pas exactement ce qu'il a prévu, mais en tout cas à mon avis il y a de quoi passer un bon moment. N'hésitez pas en tout cas à partager, à follow, à vous abonner. Merci à toi Oldman. Bonne fin de soirée à tous. Portez-vous bien, bonnes vacances à tous. Ciao, ciao.